Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens donc aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment je prépare ma lotion pour activer la pousse au thé vert et romarin. Mon thé vert, je l'ai acheté en grande surface. Donc, pour commencer, vous aurez besoin de faire bouillir environ 1,5 litre d'eau. Et dans cette eau bouillie, vous allez y rajouter 5 cuillères à café de thé vert et 3 cuillères à café de romarin. Vous allez donc laisser reposer cette préparation pendant au moins 4 heures. Pour ce qui est des avantages du thé vert, vous devez tous les connaître. Les vertus du thé vert agissent donc sur la beauté de nos cheveux. Le thé vert viendra améliorer la circulation sanguine et par conséquent limiter la chute. Il va donc augmenter le taux de globules dans le sang, donc c'est ce qui va ralentir la production de l'hormone responsable de l'alopécie. Et donc quelques heures après, on va venir rajouter 1,5 litre d'eau. Sachez que ça n'a aucun inconvénient sur la préparation de votre boisson. Tout simplement estimé que j'avais mis trop de dosage du thé vert. Mais il n'y a vraiment aucun inconvénient, donc c'est pour moi. Maintenant donc notre boisson est prête. On va donc la transférer dans les contenants. Et puis voilà, c'est tout pour la préparation de cette lotion activatrice de pousse qui est très 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 simple. Utilisez-la en eau de rinçage, c'est ce que je vous conseille le plus. Sinon, vous pouvez la mettre comme j'ai fait là dans le vapeur et vous vaporisez de temps en temps les cheveux avec. Sachez tout de même que le thé vert assèche les cheveux. Donc, le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est de favoriser l'eau de rinçage. Utilisez donc cette lotion sur un long terme pour pouvoir constater en fait les effets de cette lotion sur les cheveux. Voilà, c'est donc tout sur cette lotion pour la pousse des cheveux. Si cette vidéo vous a donc inspiré, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous retrouve donc très vite donc pour un prochain tuto. Pour ceux qui veulent voir comment je l'utilise, cette lotion, je vais vous mettre un lien par là et puis vous pourrez voir comment je l'applique. Voilà, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt. Bye!